Salut là-dedans, j'espère que ça va bien. De mon côté, tout est ok après cette petite pause sur YouTube et ça m'a fait le plus grand bien car je suis plus en forme que jamais pour pondre des news et aujourd'hui au menu justement, Speed Actu, du drama, des stars UFC et du clash. Les stars de l'UFC ne sont pas tous des modèles à suivre pour les fans. L'exemple le plus typique est celui de John Jones, malheureusement considéré comme le GOAT du MMA, mais aussi coupable d'actes assez... tu as compris. Et selon Colby Covington, une autre superstar aurait des vices cachés. Bah tiens, Colby, l'un des personnages les plus divertissants de l'UFC, trash talker comme pas deux, mais il faut lui avouer que malgré sa grande gueule, il assure toujours dans l'octogone. D'ailleurs, il a une technique bien à lui pour devenir le grand méchant de l'UFC. Bien, sa technique, c'est de s'attaquer à ses futurs adversaires sur le plan personnel. Ce gars n'a vraiment aucune limite dans son trash talking et il a encore prouvé il y a quelques temps. Il a été invité à discuter avec la légende de l'UFC Daniel Cormier, qui est ancien champion et maintenant commentateur, qui bosse avec Dana White, etc. Colby a parlé de George Masvidal, qui a fait les frais de sa fureur. Il n'a pas hésité à balancer son ancien ami et partenaire d'entraînement sur de la fraude fiscale et des histoires de tromperie. Et Colby a dit: tu sais, je ne peux rien retenir de positif dans cette relation. Jorge Masvidal est une si grosse merde. Sérieusement, il trompe sa femme, il trompe les impôts, il ne parle pas à ses enfants, il manipule les gens à son avantage. C'est tout ce qu'il sait faire et il s'est servi de moi car il avait besoin de quelqu'un comme moi pour le pousser à l'entraînement. Ouais, ok, c'est vraiment l'amour fou entre ces deux-là. Je rappelle que même après leur affrontement, il y a eu une grosse embrouille dans la rue entre ces deux protagonistes. La police avait dû intervenir, Colby avait perdu une dent. Bref, un vrai bordel sans nom. De quoi éduquer la jeunesse? Non, je déconne, s'il vous plaît, ne prenez pas exemple sur ces deux fous. Et bien voilà, la petite news actu se termine ici en espérant que tu aies pris un agréable moment en notre compagnie. Les likes, les commentaires sont les bienvenus. Je t'invite aussi à t'abonner si tu aimes les petites infos. De mon côté, bien je vais te laisser ici en te souhaitant une bonne journée. Prends soin de toi et on se dit à demain. Bye bye.